Bienvenue au Cirque des Squeezos! J'en fais déjà des caisses. Le saviez-vous? J'ai été un diabolomane. Preuve à l'appui. Comment ils font? Je sais, c'est mignon, je sais. Une tête à claque, vous dites? Aujourd'hui, on se fait un gros kiff, on fait un high five au nous quand on était plus jeunes. Je sais que tôt ou tard, vous avez dans votre vie envié des gens qui avaient genre un diabolo, un bâton du diable, des bolas, tous ces trucs de cirque. Vous les regardiez avec mépris à la cour de récré au collège et pourtant, vous aviez envie quand même un peu d'être dans leur groupe. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Aujourd'hui, j'ai envie de tester les objets d'équilibriste. Les objets où tu as une chance sur deux quand t'en fais une heure d'avoir une entorse. C'est la règle. Ici, j'ai une description de tous les objets qui m'entourent. Il y a un truc que je rêvais de tester et je vais enfin le faire dans cette vidéo. C'est le monocycle. Déjà, qu'est-ce que t'as l'air con sur un monocycle? Désolé à tous ceux qui se déplacent en monocycle, mais les gars, mais personne se déplace en monocycle, ce que je raconte. Ensuite, et ça, pour un humain de ma taille qui est pas non plus petit de fou, des échasses. Et là, c'est un combo parce que ça a l'air d'être marrant d'essayer et en plus de ça, c'est creepy. Un mec sur des échasses, ça fait bader. Je vais être slender aujourd'hui. Entre temps, il y aura des objets un peu plus simples, évidemment, que vous connaissez probablement. Je vous ferai peut-être même une petite démo de Diabolo. J'ai tout perdu. C'est bon. Et enfin, mec, on va marcher sur un fil. Je vais faire comme les mecs quand je sors Natsu au parc, là. Ils m'énervent. Ils relient un fil entre deux arbres. Eux, ils s'amusent entre amis à marcher sur un fil. Sors ton chien et ramasse sa merde comme tout le monde. Et arrête de marcher sur un fil. Avec tout le respect que j'ai hein, pour ceux qui utilisent ce genre de trucs, il y a quand même 2-3 ustensiles qui sont un peu ridicules, les gars. Soyons honnêtes. Vous allez approuver ou non ce que je viens de dire avec l'image qui suit. Tu veux sortir avec moi? Mec, regarde-moi ce bolide. 4 roues, 2 endroits pour mettre ses pieds. Une rotation parfaitement étrange. Un max de charisme. Je crois qu'on a fait le tour du premier objet, c'était rapide. T'as vraiment pas fait long feu dans cette vidéo. Allez, va-t'en. Il est mignon. Il fait partie de ces objets pour lesquels on a de l'empathie. Ça, les gars, typiquement, pourquoi ça a été créé? Je veux dire, c'est pas très charismatique, c'est pas plus amusant que ça. Et en plus, tu risques une entorse. C'est étrange, ce truc, quand même. C'est genre le frère du mec qui a inventé le skate, qui a voulu inventer un truc qui perce plus que le skate. Mais il a échoué. Ça, mec, les assiettes chinoises, frère. Je suis excité, là! J'ai fait péter le bâton. L'origine des assiettes chinoises est inconnue. Merci pour ce résumé, la production. Mais leur existence est mentionnée dès le Moyen-Âge. Elles deviennent un art de divertissement à part entière sous la dynastie chinoise des Han, en 206 avant Jésus-Christ. Dès l'avènement du cirque moderne, cet exercice de jonglerie est effectué à dos de cheval. Il semblerait que le record du monde ait été atteint en 1996, l'année où je suis né, par David avec 108 assiettes tournées simultanément. Ah, je suis mort. Est-ce que la vraie première assiette chinoise, elle est née d'un mec qui a fini de manger et pour passer le temps, il l'a mis au bout d'un bâton comme ceci? Lorsque soudainement l'assiette tourna, sa mère le regarda, elle était à deux doigts de le punir, de lui dire si tu casses l'assiette, je te punis à vie. Et lui, il la regarda en lui disant on va devenir millionnaire. J'ai de quoi en faire 4. Genre, je suis pas capable d'en faire 4, mec. Les gars, je vais vous dire un truc, c'est un peu drôle. J'ai honte. Et de une. Et de deux. Elle est cassée. Ils m'ont donné une assiette cassée. Ils avaient peur que je batte le champion du monde, là, de 96. À côté de ça, je vais vous dire un truc, hein. Dofus, on s'amuse? Pas du tout. Fortnite? Zéro. Faire tourner une assiette au bout d'un bâton? 20 sur 20. Franchement, mec, c'est pas mal, hein. Quoi? Ah, vous voulez un spectacle de Squeezie le Diabolo Man? Les gars, je sais plus du tout faire. En fait, le blème du Diabolo, c'est que... Oh non, ça s'est emmêlé. Oh, j'avais oublié ce feeling. Le nombre de gars, quand j'étais jeune, que je voyais faire du Diabolo au parc, là. On se prenait des météorites sur la gueule. Non, c'était des Diabolos, des gens nuls qui en faisaient à côté de nous. Sans transition, hop. Les gars, Diabolo, on le présente pas, je crois que c'est le truc de cirque le plus répandu de l'univers, regardez. Voilà, tu fais ça, tu t'amuses. Tu veux faire le beau gosse, tu te mets à faire ça. Hop là, la toupie! La toupie! Je savais le faire à l'époque. Bon, Diabolo, pas besoin d'aller plus loin, vous avez capté. La suite. Oh, les mecs avec ça, ils m'ont toujours vénère. Ça, les gars, je suis désolé. Autant j'accepte les gens qui ont des défauts, autant les gens qui ont des bolasses, c'est non! Je suis peut-être extrême dans ce que je dis, c'est vrai. Regardez bien la dégaine que ça va me donner. C'est dangereux. J'en ai jamais fait, je me prends des coups. Je ne respecterai jamais quelqu'un qui manie la bolasse. C'est pas grave, il est jamais trop tard pour faire tourner une ou deux assiettes, les gars, vraiment. Oh ça! L'origine du bâton du diable est incertaine. Le nom néanmoins, à l'origine chinoise et signifiant bâton fleur, provient des missionnaires occidentaux qui pensaient qu'on s'en fout. Bâton du diable, c'est comme les bolasses. J'ai du mal à être impressionné. Comment ça marche cette merde?
Bon, mais compris. Les gars, si je m'en sors sans fracture, je pourrais continuer un bon. Déjà, je crois qu'il faut commencer. Ouais, voilà. Ah oh ! Il s'est passé un truc là dans le pantalon. Nope. Ah oh ! C'est impossible ! Eh, je suis en état de choc. J'aurais préféré avoir un accident de voiture. Oh non, moi qui voulais le vendre sur eBay. YouTube, vous voyez bien qu'il est cassé, vous pouvez m'en renvoyer un s'il vous plaît. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des frérots. Les gars, on sait que c'est casse-gueule, on le sait tous, mais c'est 10 fois pire que ce que vous imaginez. En fait, je vais vous dire un truc, je suis profondément déçu, parce que je pensais grave avoir de l'équilibre. Écoutez, monocycle, c'est terminé. Là, il nous reste du lourd. Ça s'appelle le... Rollabola. Le réel intérêt du Rollabola. Alors expliquez-moi, parce que risquer une fracture gratuitement, j'aimerais bien moins savoir quel est l'intérêt. Ne vient pas du simple fait de tenir dessus, mais d'augmenter la difficulté pour rendre la performance encore plus spectaculaire. Par exemple, en réalisant du jonglage sur le Rollabola ou en empilant les rouleaux. J'ai vu des mecs faire ça à l'époque quand je regardais le plus grand cabaret du monde. Patrick, Sébastien, tu as bercé mon enfance, mon frérot. Et arrête de couper la parole. Tu coupes tout le temps la parole. On dirait moi quand je live. C'est insupportable. Combien d'humains ont mis leurs sales pieds sur ce tapis avant qu'il arrive dans mon studio. Un bon millier. J'ai fait du skate, j'ai fait du snow, j'ai fait le show. Je suis un véritable crack. Oh, j'ai l'air tellement con. Ok les mecs, le vrai challenge c'est maintenant. Abonnez-vous. Et dans un instant, je vais lancer une petite pub. Ne m'en voulez pas, je reviens juste après, je serai dans la même position. A tout de suite. Relais Squeezos. Les gars, je suis trop fort. Maintenant que je maîtrise le petit, il faut que je maîtrise le grand. Oh mec, c'est un autre level. Impossible! Ça, tu le maîtrises après avoir passé au moins 47 récréations avec les mecs du Diabolo, là. C'est le moment de prendre de la hauteur, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des cheveux. Ça me dégoûte. Peut-être je suis à deux doigts d'annuler les échasses. Mais d'un autre côté, j'ai toujours voulu voir ce que ça fait de faire 1m90, alors on va tester les échasses. J'ai dépensé sans compter. Salut mes loulous! Bienvenue au cirque des Squeezos! Qu'est-ce que t'as dit, toi? Tu veux que je te marave la gueule? Bah! Oh non, mais mec, c'est tellement humiliant. Qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube? Tu te lèves la nuit pour aller pisser dans ton couloir, lui. C'est la première fois de ma vie que je peux me prendre un mur. C'est énorme. Oui, un cambriolage? J'arrive. Bon, écoutez. Voilà. Voilà, vous y pensiez tous, voilà. Il y a un truc que je voulais vous montrer, je sais pas si vous connaissiez, on en a parlé avec Lorraine, et on n'avait pas le même mot, c'est les boîtes à cigares. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça vous dit un truc ou pas? Ma grand-mère, elle regardait tout le temps le plus grand cabaret du monde. Elle regardait tout le temps Patrick Sébastien couper la parole aux invités. Et des fois, il y avait des mecs, ils arrivaient sur scène, et juste ils avaient ça, et ils faisaient... Vous avez capté? Ils les échangeaient en l'air. Il y a du progrès, ça va vite. Gueux! Bon, ça m'a saoulé. On va marcher sur une boule plutôt. Les gars, j'ai envie d'essayer direct. Bon, vous verrez plus ma tête, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais en fait, je suis né pour ouvrir un cirque, putain! Mais je pense que si tu vas d'un coup, c'est plus simple. Alors là, ce qu'il a failli se passer, ça allait vraiment pas être drôle. En fait, c'est plutôt satisfaisant de jouer avec une grosse boule. Ça tourne mal? C'est en train de mal tourner. La vie de ma mère! Oh non... Non mais combien de matériel je vais niquer? Les gars, premier degré, très agréablement surpris de mon level en grosse boule. Arrêtez avec votre esprit là. Et tout ça nous amène à l'épreuve ultime, aka marcher sur un... pile de... Wow.
Non. Je suis en train de péter toute ma déco là. Arrête de t'échapper toi. Qui a déjà marché sur un fil? Je crois que la dernière fois que j'ai essayé, c'était sur ce même truc et j'étais à l'école primaire, les gars. Pourquoi ils nous ont fait marcher sur un fil? Qu'est-ce qui se passe là? Vous voulez pas juste nous apprendre la vie? Ok les gars. Je tombe sur la plateforme. Impossible! Mon truc, c'est clairement les boules! Les mecs font des saltos sur des fils élastiques accrochés en haut de falaises. Moi, j'ai 3 mètres de fil en métal et je fais pas un pas! Hey, y a déjà du progrès. Paf, je vais faire un pas en plus. La technique latérale! Personne l'avait vue celle-là! En fait, faut juste rester calme et bouger avec ses bras, regardez. Je suis calme, je bouge avec mes bras. Je suis très calme, je bouge avec mes bras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, et tchou! Je me suis même rappelé de 1 à 10 en espagnol. Ça, je peux vous dire, c'était au fin fond du cerveau. Vous savez pourquoi j'y arrive pas? Parce que j'ai besoin d'une assiette chinoise. Ça canalise, je vous jure. Le cirque des Squeezos va perdre sa réputation si j'y arrive pas, c'est horrible. Et je suis vraiment en train de faire en vidéo ce que je faisais en CE2 dans le hall de mon école primaire. Ça a changé YouTube. Non! Et si j'avance un peu plus vite, de manière à rattraper le manque d'égard? Salut, moi je suis né sur un fil, je vais te dire, j'arrive vachement bien à avancer, ciao! Je veux dire, la Terre plate quand même, c'est vraiment la pire des théories du complot, sa mère! Non. Oh, j'ai réussi. Eh, tu sais quoi, je refais dans l'autre sens. Tellement c'est easy. Messieurs, dames, l'objectif final a été atteint. J'ai l'impression que c'est la fin de cette vidéo. J'en ai chié, mais c'était drôle. C'est intéressant de découvrir d'autres trucs. J'avais vu ça plein de fois dans ma vie, des trucs déquilibrisés. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'il y a d'amusant? Je comprenais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant à risquer une foulure? J'ai compris aujourd'hui. J'ai compris. Sachez que cet objet est l'objet le plus dangereux que j'ai eu entre les mains, mais de très loin. Posé sur son mur, il fait un peu envie parce qu'il y a une roue, ça nous rappelle l'enfance quand on faisait du vélo, mais non, ne cédez jamais. Les assiettes, un classique, on ne le présente plus. Toujours un plaisir, je suis à deux doigts d'en faire tourner une là pendant l'outro. J'ai déjà une idée de la suite, on va tester des trucs très précis, un peu glauques, bizarres, mais j'ai hâte de vous montrer ça. Voilà, j'espère que ça vous aura diverti. Merci les Squeezos, félicitations pour l'ouverture de notre cirque, et à bientôt.